sur le thème berbère. Donc une déco qu'on voit un peu partout en ce moment, que ce soit dans les magasins, les magazines ou à la télé. Donc j'espère que le thème vous plaira. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez une déco en ce moment que vous appréciez plus qu'une autre. Je suis assez curieuse de voir ça. En attendant, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus, également à partager la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye! Pour ce premier DIY, vous aurez besoin d'un morceau de bois et de la ficelle, de la laine et d'une paire de ciseaux. C'est parti! Pour commencer, attachez la ficelle au morceau de bois. Je l'avais déjà préalablement fait pour une autre vidéo que je vous mets juste au-dessus. Ensuite, découpez plusieurs morceaux de laine. Et venez placer le morceau de laine en faisant une boucle autour du morceau de bois. Répétez cette opération sur tout le long. Prenez ensuite deux morceaux de laine et faites un double nœud. Et répétez cette opération sur tout le long. Prenez ensuite les morceaux de laine en décalé par rapport au nœud du haut. Et répétez cette opération autant de fois que vous le souhaitez. Et pour finir, j'ai décidé de couper en pointe le bas de mon macramé. Donc là, après, vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous voulez laisser de la longueur, vous laissez de la longueur. Faire en diagonale, vous faites en diagonale. Enfin, vraiment, là, vous faites comme vous le souhaitez. Et voilà le résultat! Pour ce deuxième DIY, vous aurez besoin d'une boîte en osier, de plusieurs rubans en dentelle et de galons, de la colle chaude, de la laine, de perles en bois, des pompons et d'une paire de ciseaux. C'est parti! Pour commencer, venez prendre votre petit pot en osier. Là, en l'occurrence, c'est de la déco IKEA où j'avais déjà fait une vidéo et que j'avais peint le bas. Donc, je vous mets la vidéo dans le petit i. Donc, venez coller votre galon de pompons. Ensuite, pour décorer le couvercle, j'ai décidé de coller de la frange sur tout le contour. Donc voici un aperçu de ce que ça peut faire. Mais j'ai décidé de faire une petite déco supplémentaire. Donc là, vous allez prendre un petit morceau de laine. Petit
Petite astuce, si vous avez du mal à mettre le morceau de laine dans les perles, tout simplement, prenez un morceau de scotch et tournez autour de la laine de façon à ce que ça fasse comme les petits bouts de lacets. Il ne reste plus qu'à mettre les perles. Et le pompon. Et il ne reste plus qu'à attacher le tout à la anse du petit pot. Pour ce troisième et dernier DIY, vous allez avoir besoin d'une housse de coussin, de rubans en dentelle et de galons, de la colle chaude et d'une paire de ciseaux. C'est parti! Commencez par placer le plus gros galon au milieu. Après, ça va être de la customisation, donc là, ça va être vraiment avec ce que vous avez et votre imagination. Donc voilà, moi je vous propose ça et après vous faites comme vous le souhaitez.